Ah oui, c'est vrai. Mais toi, tu es une habituée, oh. Tu vas être placé. Tu vas être placé en concours si ça continue. Alors Georges, là vous êtes en train de préparer un concours pour des enfants. Mais voilà, à chaque festival, on fait l'après-midi une animation pour s'occuper des enfants, pour leur donner l'envie de cuisiner simplement, sans danger, ni sanitaire, ni corporel, en faisant des petites préparations, bien souvent sucrées, parce que c'est le plus agréable l'après-midi pour les enfants, et amusantes, de façon qu'ils passent un bon moment, eux et surtout leurs parents qui ont beaucoup d'ambition pour leurs enfants. Et bien voilà, on leur donne trois choux, un pas trop joli, deux bien formés, trois que vous allez garder pour faire des cygnes, pour faire des canards, et deux que vous allez garnir comme des choux à la crème, et trois petits S qui ont été faits en pâte à choux. C'est fait maison, selon les règles. On leur donne une crème pâtissière, mais une crème pâtissière qui n'est pas avec des produits ni allergènes, c'est-à-dire sans œufs, sans lait, simplement un gelé client et à base d'eau et de sucre. Et confectionner des petits cygnes qui seront saupoudrés de sucre glace, le bec trempé dans un peu de sucre fondant et coloré avec des petits biscuits, des petits bonbons de couleur. Donc avec votre cuillère, vous essayez de faire un petit dôme bien lisse, sans trop en mettre sur les côtés. Vous prenez vos couvercles, vous les coupez en deux et vous les posez en aileron. Ensuite, le président Rousset est un grand professionnel. Vous prenez votre S du côté qui forme le mieux le bec et vous le passez avec un petit peu de fondant. Voilà. Lorsque vous avez fait ça, vous prenez la poudrette, vous transformez vos choux en cygne blanc. Voilà, vu. Allez, vous pouvez partir, vous avez exactement 20 minutes pour réaliser tout ça. C'est exprès, c'est tout le monde a les mêmes couteaux. Des choix à la crème. Il est où ton truc blanc? Attention, c'est fragile, DS. Est-ce que...
Mais les trois comme ça, hein, on a dit. Voilà. Comment tu vas le mettre le dernier alors? Je vais le mettre au milieu, tout droit, et décoré sur le bord. On n'aide pas, on n'aide pas, on n'aide pas. Attention, je vous ai vu madame. Je vous ai vu. En général, les parents sont plus anxieux que les enfants. C'est sûr. Bon, moi, mesdames, les filles. Il a des ailes par contre. Eh bien, elle va arriver, Riva. Elle va faire comme ça le tour. On l'a pas non plus. Si, oui, elle est. Ah, là, tu passes à la télé. Non, non, il a. Ah oui, c'est en direct. Après, ils font des montages. Ils choisissent ce qu'ils gardent. Ils ne gardent pas. Moi, que les ailes, ils ne sont pas les ailes. Disons pour des questions de commodité pour les enfants, on fait une tranche d'âge de 4 à 6 ans, de 6 ans et demi à 9 ans et de 9 à 12 ans. Parce que la dextérité n'est pas la même d'un enfant de 5 ans, d'un enfant de 8 ans, d'un enfant de 11 ans. Voilà. Alors bien sûr les enfants peuvent manger le résultat de sans problème, parce que le résultat est jugé par les jurys, ils peuvent le manger sans problème. Ce qu'ils ont réalisé, même ce qu'on leur a donné pour le réaliser, sans problème. Alors je vois qu'il y a des parents qui les aident. Est-ce que normalement les parents peuvent les aider ou pas? Non, les parents ne peuvent les aider que oralement. D'accord. Une personne, voilà. Mais absolument pas intervenir manuellement. Ça n'a aucun intérêt à ce que l'enfant soit aidé, puisque le jeu c'est de réussir à le faire soi-même. C'est pas... c'est un concours, c'est un jeu d'enfant. On n'aide pas un enfant pour l'aider à monter sur la balançoire. Voilà, très bien. Voilà. Voilà, vas-y. Non, c'est ça que tu tapes. Tu laisses ta main là. Regarde la télé, on ne regarde pas. Regarde l'artiste. Ça va être par rapport au groupe avant, c'est pareil. Il a mis. La mère est derrière en train de taper comme une forcenée. Oh, non, non, c'est... Pas les en vouloir. Non. Tu peux les présenter sur ton assiette, comme il avait montré. T'as vu comment ils regardent, comment elles sont. Regarde comment c'est présenté à côté. Regarde là. Tu les présentes de la même façon. Tu peux enlever les petites miettes qui sont autour. Là, les petites miettes, ça tient d'elles. Voilà. Ça minuit, c'est bon, il est bien. Ah oui, comme ça. Alors, juste entre nous, ton papa, il t'a beaucoup aidé ou pas? Faut dire la vérité. Dis la vérité. Pas trop. Pas trop. C'est vrai? D'accord. Voilà, et tu tapes. Encore. Ouais. Ça, c'est une blanc encore. Et l'autre, pareil, les autres, pareil. La même chose. Voilà, c'est très joli. Encore un peu plus de... C'est des signes blancs. Super le festival de gastronomie. Pas bien compris, vous avez dit quoi? Super le festival de gastronomie. Ouais, super. C'est dans la poche. Si, ça tourne, vous rigolez. Ça fait les trois boules en fond. C'est très bon. On se régale. Beau festival. Mandarine corse. Alors, fraise litchi. Fraise litchi. Mûre. Abricot avec des abricots confits. Et agrumes fruits de la passion. D'accord, il en manque un. Il y en a quatre. Fraise litchi, mûre, abricots et fruits de la passion. Et abricots et morceaux d'abricots confits. Et fruits de la passion et agrumes. Une tuerie.
une tuerie. C'est la même chose. Délicieux, délicieux, vraiment. Comme ça, vous organisez des tueries. Je ne sais pas, ça, c'est les clients qui le disent. Il vient de me dire que c'était une tuerie. Mais de sa part, c'est un compliment, c'est un très grand compliment. Non, c'est du pur fruit, c'est. Eh oui. C'est le secret des sorbets. C'est le fruit, la qualité du fruit. Chaque année, on essaye d'amener des saveurs un petit peu différentes. Il y a toujours des bases qui reviennent, les incontournables, vanille, chocolat, caramel, fleur de sel de Camargue. L'année dernière, on était sur un chocolat du Brésil. Cette année, on a mis un chocolat du Venezuela, donc pour varier les plaisirs. Mais en sorbet, cette année, donc, on a une association qui, je pense, peut être extrêmement intéressante pour les papilles. C'est celle que j'ai en main. Donc une base de sorbet fraise avec des fraises de Moguio, un petit village à côté de Montpellier. Donc pour rester en local, voilà, le plus possible, et en direct producteur, transformateur, consommateur, qui est agrémenté avec de la mara des bois et un soupçon de fraise des bois pour retrouver un petit peu cette saveur, le plaisir que j'avais en enfance d'aller chez les grands-parents en Aveyron manger des fraises des bois en forêt. Et donc l'idée était de retrouver cette saveur à travers un sorbet. Et je trouve que ça se marie très très bien avec un exotique où on a un mélange de trois fruits, évidemment du fruit de la passion, de la mangue qui va apporter la tenue et l'onctuosité, la douceur, qu'on rehausse avec de la mandarine, et mandarine toujours également pour être un petit peu chauvin, mandarine corse. Éloigne-toi de mon plat. Donne-moi ça. Le concours, c'est pas un. Oh, t'as gagné. Et toi, c'est la célébrité, là. Maintenant, on va planter les ailes. C'est joli. Il y a un jury qui passe, il y a 10 membres de jury, il y a des cuisiniers, chefs de cuisine, comme Jean Bolgenet, Fabienne Perret, etc. Et puis il y a 6 gourmands, non parents, des candidats. Qui sont les gourmands? Ah ben ils sont tirés au hasard par le membre du jury, et ils doivent juger de 1 à 20. La présidente du jury ou le président du jury fait ensuite la moyenne des notes en comptabilisant les 10 notes du jury et les divisant par le nombre de jurys. Et un classement est fait. Sérieusement, hein? Ah, mais il faut donner le maximum d'intérêt à tous ces petits. Oui. C'est génial. Et alors, donc, qu'est-ce que gagnent les enfants ensuite? Et bien après, il y aura des prix, notamment pour le premier, un joli livre de cuisine, pour le second, une casquette. Tous les enfants gagnent un diplôme signé par les présidents. Martin, tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Et puis, quand même, il y a les 3 premiers, où on fait un petit distinguo avec un livre de cuisine, un petit prix de deuxième et un prix de troisième. Voilà. L'an dernier, c'est vous qui avez gagné, non? C'est vos enfants. Mes enfants, ils avaient gagné. Non, il y a 2 ans. Vous étiez ici riche. Mais c'est normal. C'est normal. On est tous pareils. Et le premier? Le premier, c'est le numéro 15, le Bescom d'Alia. Ouais.
avec 101 points. Troisième, le numéro 57, Malard Jeanne, avec 62 points. Assez serré hein, dans cette tranche. Hein. Le deuxième, le numéro 61, Canaguier, ou c'est Canaguier. Ça Aude. Ouais. La première avec 50, numéro 52, avec 68 points, Carla Falise. Voilà, je te fais la bise. Ah bah oui, hein. Félicitations, mademoiselle. Elle est intimidée, hein, elle est intimidée. Bravo! Bon courage! Alors, le troisième, 116! Leïla! Philippe! Avec 80 points! Deuxième prix, le numéro 112. Ouais. Alric Neige, avec 83 points. Oh, jeune homme, bien joué, bravo. Et enfin, le premier prix, le numéro 100, avec 93, ça se suit, disons, 93 points, Justine Druand. Ouais. Bravo, tu fais la bise. Bravo, bravo, bravo. Bravo à tous. Bravo à tous. Vous étiez tous très impliqués, c'était super. Deux secondes d'attention. Vous venez tout chercher, mais vous partez pas, on va faire une grande photo de tout le monde. Gardez-le bien. Vous ne voyez pas le pauvre. Génial. Il a quel âge? 5 ans. Voilà son diplôme. Contrôle de diplôme. Contrôle de diplôme. Waouh. Comme ça. Waouh. Il n'a pas eu son diplôme. Ah, alors ça, c'est un livre qui va avoir de la valeur. Et on voit la personne qui a l'habitude de cuisiner, mais d'écrire aussi. Il a usé le stylo, hein, il ne dira jamais. Ah là 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 là! Faut souffler, hein. Faut laisser ouvert. Voilà, faut laisser ouvert. Faut laisser ouvert. Ça. D'accord, oui, faut laisser ouvert. Allez. Oui. Qui a gagné en premier? Alors, c'est Justine. Justine. Déjà, la maison. L'année dernière aussi. T'avais déjà gagné l'année dernière? La deuxième, non? C'est vrai? Bah alors tu gagnes toutes les années. Mais j'ai donné le livre à mes cousins. Ah oui, t'as donné, t'as le droit. Hein. Mais tu gagnes à chaque fois alors. Et ils ont le même livre. Ah, parce que ma cousine, elle a eu le livre maintenant. Le même. D'accord, mais dis donc, tu sais lire toi? Non. Bah tu vas apprendre. Hein. Tu vas apprendre le livre alors. Comme c'est génial. Il y a des jolies. Non mais je suis née en. Alors, mademoiselle. C'est comment, mademoiselle? Dalia. Alors. Oui, AH. Oui, il a AH dedans. Alors, Dalia, DAH, Elia. Non. Oui, c'est ça. Il a des souris. Avec un H. Bon, mais c'est bon, j'ai pour. Alors là. Tu veux le faire signer toi aussi? M2H. Il y a M2H. Non, il y a un M.
Très bonne initiative qu'on retrouve donc sur chaque année. Tous les ans, depuis 10 ans. Depuis 10 ans, vous faites ce concours avec des sujets différents. Et 10 ans, les enfants sont ravis de, généralement à partir de 11h, 11h moins de quart, dès qu'ils arrivent, ils cherchent où s'inscrire. Ah, je veux dire. Généralement, ça se passe toujours au même endroit. Eh bien, non, des fois, on l'a fait sur la place de la Fontaine. Là, on le fait parce qu'il y a de l'air, c'est-à-dire l'ombre, on est bien où on est ici. Donc, il y a plus d'air qu'en bas sur la place de la Fontaine. Encore une très bonne initiative de la part de toute votre équipe, Georges. Ben, on s'amuse. Oui, voilà, j'ai l'impression que beaucoup de gens s'amusent, mais pourtant, il y a des gens sérieux ici. Voilà, pour l'anecdote, par exemple, cette nuit, on a fait 9 litres de pâte à choux, c'est-à-dire 600 choux environ. Notre four est tombé en panne à 11h le soir et on a pris un four ménager. On a cuit 600 choux dans un four ménager à raison de 30 à la fois. 4h30 ce matin, on a terminé les cuissons. Je comprends maintenant une certaine fatigue ce matin. Non, je vois aimer ça, c'est pour rigoler. C'est génial. En tout cas, Georges Roset, merci beaucoup. Mais bonne fin d'après-midi également. Et puis, bon concours si des fois vous concourez. On ne sait jamais, les enfants de 12 ans sont autorisés. J'ai passé l'âge. Merci. Allez, Georges. Thierry. Yann. Axel. Et comment le nom de famille? Eh, les Rousset. Mais oui, mais c'est bien. C'est un clan. Merci. C'est merveille. Il faut que ça reste. Allez, ciao. Merci, monsieur. Une tuerie, hein.